La société doit, je crois, porter attention aux personnes en difficulté
et par conséquent réserver une place particulière à leur évolution et leur épanouissement. En un mot, la Vésus, une vie sociale. C'est donc une mobilisation de tous qui va permettre de rendre nos démarches individuelles ou collectives encore plus humaines. L'intégration des personnes handicapées ont déjà parcouru un long chemin. Mais les chemins, vous le savez comme moi, ne sont pas toujours linéaires. À nous de négocier au mieux aujourd'hui le village pour répondre à une demande d'intégration pleine et consentie par tous. Leur potentialité pour qu'elles puissent prendre au mieux leurs responsabilités et s'insérer comme nous dans la société. La constitution de la mise aux normes favorisant l'acquisition d'engins aux personnes à mobilité réduite est une attention de tous les instants. La société, mesdames et messieurs, par ses actions quotidiennes, saura nous épauler dans une vie sociale pleinement réussie. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. le directeur général de la société, mesdames. Engagement social durable, à vos côtés, il me paraît nécessaire de rappeler un peu la petite histoire qui est la nôtre. En 2003, 5 tricycles 10 handicaps ont été remis en partenariat avec le BCB. En 2004, toujours en partenariat avec le BCB, c'est 5 autres tricycles 10 handicaps qui ont été remis. Aujourd'hui, c'est 7 tricycles 10 handicaps. Que nous remontons à 5 femmes et aussi à 2 hommes, car je ne veux pas faire de sexisme à l'envers. Parce qu'au-delà de sa tête, je suis intimement convaincu que la place de la personne handicapée ne pourrait être pleine et entière que par l'intégration professionnelle, l'autonomie financière, la mobilité et le progrès, pour que l'handicap ne soit plus considéré comme une charge pour la société et ainsi rendre à cette personne de l'avenir. De plus, dans la droite ligne des engagements commerciaux, ces tricycles du syndicat sont bien entendu accompagnés de casques de protection et nos partenaires privilégiés qui AGF Burkina offrent gracieusement l'assurance tout risque d'un an. Je suis sûr que l'apport de ces engins fera la démonstration qu'avec ce petit coup de pouce, chacun et chacune peut se promener, évoluer et ainsi dépasser l'obstacle d'un handicap. Madame le ministre de la Promotion de la Femme, mesdames, messieurs, chers amis, je vous remercie. Pour les femmes, à la société Mégamonde, pour avoir jeté son dévolu sur notre personne près de la marée de cette cérémonie. En ces mêmes circonstances, elle nous convient l'année dernière à la réception des tricycles pour les femmes handicapées. Cette année encore, le même scénario se réédite à la grande satisfaction, non seulement des heureux bénéficiaires de ces technologies de transport pour handicapés, mais également du ministère de la Promotion de la Femme dont nous avons la charge. En effet, mon département a élaboré la politique nationale de promotion de la femme, dont la stratégie de mise en œuvre se fait par le truchement de plans d'action qui impliquent tous les acteurs de promotion de la femme. Mesdames, en subissant dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie des femmes, s'inscrit en droite ligne dans cette politique. C'est pourquoi, au nom des bénéficiaires et en mon nom personnel, je voudrais traduire solennellement tout notre choix et notre gratitude pour cet don qui vient de nous être encore octroyé. Ils serviront à améliorer les conditions de déplacement de ces femmes et hommes qui méritent qu'une attention particulière leur soit accordée. Ainsi, leur participation au développement de notre pays se verra plus accrue. Étant entendu que tous les fils et filles du Burkina Faso, quel que soit leur statut, doivent apporter leur part contributive à sa construction. Dans cette dynamique, la société Mégamonde, par ses dons, nous enseigne à appuyer et à soutenir les couches les plus défavorisées pour cette participation attendue d'elles. Mesdames et messieurs, l'exemple de Mégamonde
est donc très salutaire et interpelle. Faut-il insister toutes les bonnes volontés à s'en inspirer pour s'illustrer également dans des domaines aussi variés que divers au profit de cette couche, la frange féminine, en espérant que cet exemple sera largement suivi ici et ailleurs au Burkina Faso. Le ministère de la Promotion de la Femme se joint à ces femmes et à ces deux hommes bénéficiaires de ces principes pour exprimer une fois de plus notre gratitude à M. le directeur général du groupe Megamon et à l'ensemble de ses collaborateurs et leur souhaiter beaucoup de prospérité et de succès dans leur entreprise afin que cette initiative s'institutionnalise au profit de ces femmes et hommes défavorisés dont le nombre s'accroît d'année en année suite aux accidents et autres maladies. Mesdames et messieurs, le ministère de la Promotion de la Femme, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour accompagner tous ces acteurs qui font de l'épanouissement de la femme leur cheval de bataille. Notre plan d'action relevé plus haut les interpelle chaque jour à plus d'engagement, de générosité et de solidarité avec elles. Enfin, aux heureux bénéficiaires de ces tricycles, je leur souhaite un très bon usage et beaucoup de courage dans leurs activités. Je vous remercie. Nous allons continuer cette cérémonie avec à présent la remise des tricycles aux heureux bénéficiaires. Donc je m'en vais vous donner la chronologie. Alors, pour la remise des tricycles, j'appelle l'artiste musicien Bill Akakora, qui est en quelque sorte notre mascotte, si vous avez bien remarqué ce matin. Je remets la première moto à Madame Konsego Mamounata. Donc je vous rappelle que le tricycle est remis avec une assurance touriste AGF et un bon d'essence offert également par AGF. Le casque s'il vous plaît. Non, non, remets. Deuxième tricycle, j'appelle M. Khaled Faitour de la BCD pour mettre le deuxième tricycle à M. Diallo Amadou. Tricycle est remis avec une attestation d'assurance d'une année et il y a un autre bon d'essence de 5 500 offert par le groupe HR. J'appelle dans la même foulée M. Touré de AGF. Mademoiselle Ouedraogo Ida. Jeune homme.
Monsieur Napon Abdourazab. Simplement pour lui dire que certains vont dire qu'il a de la chance d'avoir aujourd'hui le loto. Moi je crois que c'est nous qui avons de la chance, nous sommes sur nos deux pieds, de lui remettre le loto. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte de l'argent. Voilà. Un tricycle, un casque pour la sécurité, une assurance tout risque offerte par le groupe AGF Burkina et un bon d'essence de 5. Alors, les bénéficiaires de cette donnée un papier que je me ferai le plaisir de vous lire. Cher monsieur le chef de Megamall, je le lis tel qu'il est. On est très content de votre bien que vous nous avez offert pour vous livrer tout ce qui est dans notre cœur. Je souhaite une bonne et longue vie à toi, à ta femme, surtout à tes enfants. Mais apparemment, ils nous ont oubliés aussi. Hein. Que Dieu t'aide pour que tu puisses nous aider.
On profite de cela pour saluer tout le personnel de Megamall. Et tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas comment vous dire ni quoi faire pour ces dons dont vous nous avez fait. Si ce n'était pas à cause de vous, on ne sait pas comment faire pour avoir cette chance. Donc, on remercie tout le personnel de Megamall. Voilà qui est bien dit. Donc, à partir d'aujourd'hui, je sais, comme vous, auront quand même une facilité de mobilité. Donc, merci à tous et bonne continuation dans vos activités. À la prochaine cérémonie, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci bien.
t'arrêter à côté et puis tu regardes ça. Maintenant tu peux.